Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons à nouveau parler d'une bibliothèque de l'Antiquité et après avoir parlé de la bibliothèque d'Alexandrie, la plus connue, de la bibliothèque d'Aristote qui l'a inspirée, nous allons parler de la principale rivale, enfin celle qui fut pendant longtemps la principale rivale de la bibliothèque d'Alexandrie, c'est la bibliothèque de Pergame. Elle était donc la bibliothèque du royaume, du même nom, le royaume de Pergame, qui était un des royaumes issus de l'empire d'Alexandre le Grand, gouverné par des diadoques, et va être du coup lancée, cette bibliothèque, par le roi Eumène II, qui va lancer donc cette construction au IIe siècle avant Jésus-Christ, poursuivant probablement le projet que son propre père avait déjà mis en place, dans le but de rivaliser avec la bibliothèque d'Alexandrie, dans l'idée d'une concurrence politique et culturelle, et d'influence, entre les différents royaumes des diadoques. Ce ne sera pas le seul royaume des diadoques à mener à une telle politique. Beaucoup de royaumes vont ainsi lancer leur propre bibliothèque, mais celle de Pergame va être celle qui aura le plus de succès après celle d'Alexandre. Néanmoins, malgré son succès important, elle n'arrivera jamais à rivaliser avec sa rivale principale Alexandrie, qui reste indétrônée à cette époque. De ce que nous savons, cette bibliothèque, à partir des vestiges que nous avons retrouvés, a été composée d'au moins 4 pièces, avec une pièce principale qui était dédiée à l'étude de ses ouvrages, consultation, et 3 pièces qui servaient à les stocker. Nous ne connaissons pas le nombre exact d'ouvrages qui s'est trouvé, mais nous avons un chiffre minimum, puisque nous savons qu'en moins 47, Jules César va en prendre 200 000 ouvrages dans cette bibliothèque pour les donner à Alexandrie, ce qui signifie qu'il y avait au moins à ce moment-là 200 000 ouvrages disponibles. Nous avons ce minimum. Pergame va également s'illustrer par une particularité, c'est l'usage du parchemin. Jusqu'à présent, c'était le papyrus qui était le support qui dominait. Or, le papyrus était produit en Égypte, mais du coup, l'Égypte, sous domination d'Alexandrie, n'allait pas fournir du papyrus à sa principale concurrente. Du coup, Pergame va devoir développer un nouveau support pour ses ouvrages, et donc elle va utiliser un support qui existait déjà dans la région, le parchemin, qui est donc fait, lui, à partir de peau de bête, et va donc utiliser ce support déjà existant et l'améliorer pour le rendre plus efficient et plus rentable, et ainsi permettre de le diffuser, de le populariser, et de vraiment l'imposer comme le principal concurrent du papyrus pour les ouvrages de l'époque. D'ailleurs, le nom parchemin vient du nom du royaume de Pergame. Sinon, après, globalement, la bibliothèque de Pergame ne va pas s'illustrer par beaucoup de particularités, puisqu'elle va reprendre en bonne partie le fonctionnement de la bibliothèque d'Alexandrie qui faisait ses preuves. Donc, par exemple, le système de classement, qui du coup vient là aussi du système d'Aristote. Donc, on voit que par celui-là, Aristote aussi a une influence qui dépasse largement celle d'Alexandrie. Et Pergame va également utiliser les mêmes méthodes que la bibliothèque d'Alexandrie pour enrichir sa collection, c'est-à-dire réquisitionner à peu près tous les livres qui passent dans le royaume de Pergame, afin de soit en faire des copies, soit de les prendre directement et les mettre dans la collection de la bibliothèque. Néanmoins, Pergame étant un lieu de passage moins important qu'Alexandrie, forcément cela permet de réquisitionner moins d'ouvrages que ne pouvait le faire la grande bibliothèque d'Alexandrie. La bibliothèque de Pergame va essayer également d'attirer plus d'intellectuels pour concurrencer le plus possible Alexandrie, donc il y aura également beaucoup de moyens mis là-dedans, donc à la fois parce qu'en ayant beaucoup d'ouvrages, on attire des intellectuels, mais également en leur fournissant des conditions matérielles et financières de travail et d'études plus avantageuses possible. Et donc une course au cerveau qui se menait à l'époque entre ces deux bibliothèques. Néanmoins, la bibliothèque de Pergame va finir par décliner. Il faut savoir que le royaume de Pergame était un royaume qui était à la base allié à Rome, mais de plus en plus soumis à Rome. Ce qui fait que lorsqu'en moins 47, César va vouloir s'emparer de 200 000 ouvrages dans la bibliothèque, il n'y aura pas de souci pour le faire, et pourra ainsi facilement les déplacer vers Alexandrie, ce qui va porter un très mauvais coup à la bibliothèque, beaucoup l'affaiblir, et si par la suite elle continue d'avoir une activité, nous avons des traces encore de présence intellectuelle et d'une bibliothèque, celle-ci n'est alors plus que l'ombre d'elle-même, n'est plus absolument une des grandes bibliothèques de l'époque. D'autres bibliothèques vont émerger dans le monde romain et éclipser celle de Pergame, qui du coup n'est plus qu'une bibliothèque parmi d'autres de second plan. Néanmoins, elle aura été quand même une bibliothèque très influente et à l'origine de l'usage du parchemin qui va être très important durant le Moyen-Âge. Donc, ce n'est pas rien non plus. Donc, c'est terminé pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un pouce bleu, ça nous aide beaucoup. Vous pouvez également commenter pour dire ce que vous en avez pensé, faire des remarques soit positives, soit négatives, à condition qu'elles soient constructives. Vous pouvez également vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Pour ceux qui sont encore là, j'ai un petit message à vous annoncer. Alors, j'ai déjà annoncé, mais je profite du coup de ces vidéos qui sont regardées forcément à plus de monde qu'une juste une annonce vidéo. J'ai écrit un livre sur la mine de Champagnac, qui est une mine de charbon dans le Cantal, qui est l'objet du mémoire d'histoire que j'ai réalisé, que j'ai soutenu à Clermont-Ferrand.
et j'adaptais une partie de ce mémoire en livre portant sur la fermeture de la mine, la reconversion du territoire avec des et les raisons de la fermeture, avec des points du coup nationaux, du coup sur le contexte aussi national du charbon en France, et des comparaisons avec d'autres conversions de reconversion de bassins miniers et certains éléments qu'on retrouve en reconversion du coup de bassins miniers de Champagnat qu'on retrouve ailleurs. Donc ça peut être intéressant aussi, non seulement si vous êtes du coin, mais si l'histoire minière est quelque chose qui vous intéresse, ce livre peut vous intéresser éventuellement. Donc il s'appelle « Quand la mine s'arrête ». Vous pouvez éventuellement du coup le demander en librairie. Alors c'est de l'auto-édition, donc les librairies n'ont pas forcément, mais vous pouvez du coup leur en parler pour qu'elles le commandent, hein, comme contact du coup sur Histoire d'apprendre, et je pourrais leur envoyer. Sinon, il est également disponible en ligne, notamment sur le site Bookilis, mais j'encourage quand même plutôt l'achat en librairie si possible. Donc voilà, je vous mettrai comme le lien au cas où, mais dans l'idéal qu'une librairie me le commande. Si vous êtes du coup plutôt autour du Cantal Corrèze, là vous avez des chances d'avoir des librairies qui l'ont déjà, puisque du coup j'en ai déposé dans plusieurs librairies et médiathèques. Donc là aussi, n'hésitez pas, si vous êtes dans le coin, vous passez dans le coin, à aller directement voir. Donc voilà, j'ai terminé avec cette petite annonce de fin de vidéo. Au revoir tout le monde.